L'image parle d'elle-même. Ils sont étudiants à l'université de Douala, campus de Lorbessou. Comme tous les usagers ici, il faut pousser la moto si l'on veut arriver à l'heure. La raison, c'est le mauvais état de cette route qui va de PK14 à PK21. C'est catastrophique parce qu'avec l'état que vous voyez, ce n'est pas du tout facile à l'accès à accéder à son domicile. C'est tellement désagréable pour nous de voir une route qui mène à l'université et qui ne nous honore pas. C'est très pitoyable. Un véritable parcours du combattant, un calvaire pour les usagers. Ici là même pour travailler c'est tout un problème, arriver même c'est tout un problème, quand il pleut même c'est très grave. La conséquence première, la voici. Ils sont en majorité étudiants, bloqués par les bouchons. Il faut passer près d'une heure pour parcourir ces 500 mètres d'embouteillage à défaut d'aller à pied. Avec les embouteillages. Je suis là depuis 7 heures, il doit être environ 8h15. Je suis déjà arrêté au campus. L'état de la route ne nous permet pas de trouver la moto aisément. C'est vraiment compliqué, très délicat. Les secousses, les creux, vraiment c'est pas facile. Des fois on programme les cours, regardez à l'heure que j'arrive. Sans parler des embouteillages, des creux et tout et tout. J'ai passé tout mon temps à marcher depuis 14, puisque moi je suis loin du côté de Niala. La moto m'a laissé à 14 et du coup le transport passé de 14 pour ici là, on dit 300 francs une personne. Le transport est passé du simple au double sur cette voie qui mène dans le département du Nkam, avec ses interminables nids de poules, comme ici, au lieu d'y chercher le mot. On roule comme ça, on ne peut pas passer toute une semaine sans changer le roulement deux fois. Et nos étudiants qui ont porté 100 francs pour arriver, nous sommes obligés de le prendre même à 250 parfois. Avant on portait à 150, comme la route est gâtée, toi-même tu vois l'état de la route, on portait à 200-250. Le tarif est monté de 100 francs quand j'étais en première année, maintenant c'est à 300 pour quitter de PK14 à PK17. Maman, les prix ont monté, ça varie. Je prends presque deux motos pour arriver chaque matin. C'est trop, c'est difficile. Très étonnant pour les populations. Elles disent que la route est en chantier depuis près de 10 ans. Jusque-là, rien n'a bougé. Tout le temps, notre cher ministre arrive ici. Il fait des trucs, mais on s'en rend compte que c'est comme c'était que on ne comprend pas, les entrepreneurs ne font rien. Et on voit les engins en route, on ne travaille pas, on ne comprend rien. Et ça devient vraiment très embêtant pour nous, vraiment. Le sort de ces étudiants et des populations riveraines ici repose dans les tiroirs du ministère des Travaux publics.